ce que j'observe en Algérie est porteur d'espoir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Algérie ne reviendra pas en arrière. Et donc le pouvoir militaire devra accepter de partager le pouvoir. La solution à la problématique algérienne aujourd'hui, c'est d'amener le pouvoir algérien à accepter la solution du partage du pouvoir. Mais il va devoir composer avec ceux avec lesquels il a mené une guerre interne pendant 10 ans. Parce que c'est l'une des rares forces organisées qui restent encore en Algérie. Toutes les formations politiques historiques sont rejetées structurellement, radicalement, par les populations qui sont dans la rue.